Non, je rigole. Il y a eu du changement depuis la dernière fois. Saucisse n'avait pas vu parce qu'il était plutôt occupé. Comme ça, il va découvrir en même temps que vous. Non, ne me pointe pas cette hache devant moi, là. Ah, je croyais que t'avais peur de mon briquet. En fait, là, le ponton, on s'est fait attaquer avec Marcus. On a joué un peu de notre côté. Bah, comme vous le voyez, ça a construit. On s'est fait attaquer par le poulpe. Le fameux poulpe féminin. Oh. On imagine que c'était une femme. Oui. Et oui, parce que ça pondait des bébés. Ça pondait des bébés, donc à partir de là, on pense que c'était une femme. Et il y a eu le poulpe mâle également, il est arrivé, il a explosé tout notre ponton, il a tout pété, il s'est fait plaisir. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à mettre quelques protections. Parce qu'on s'est fait attaquer un nombre incalculable de fois, on a fait... C'est ça, on a dû tuer au moins, sans mentir, peut-être une vingtaine, trentaine de cannibales. Hein, ah ouais, je dirais, ouais, 30 minimum cannibales. 30 000, ouais. Il y en avait, géants, quoi. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on a remarqué qu'il y a plein de cannibales différents et on a pu voir un petit peu leur comportement en attaque. Ils savent très bien t'encercler. Et franchement, il y a des cannibales, ils mesurent au moins 2m30, facile. Ouais, y a des cannibales immenses. Et t'en avais d'autres qui me lançaient des cocktails dans la tronche. Il y en a un qui m'a fait un screamer, je coupais un arbre. Et d'un coup, il me chope. Et j'ai sursauté. Voilà l'histoire de ma vie. Ah non, mais franchement, ouais. Et le truc qui est bien, c'est que les créatures, là, le poulpe à plusieurs jambes, bon, la femelle, gros, en gros, on a vu le mâle, et qui est différent au niveau du look et qui est tout aussi répugnant visuellement parlant. C'est clair. Et bon, ouais, franchement, je sais pas pour toi, Alex, mais j'ai quand même bien hâte de les montrer. Ouais, bah ouais. Parce que nous, on les a vus de notre côté. Oui, c'est attaques, ça. Parce qu'il y a une attaque, surtout c'était la femelle, je crois, qui était très surprenante. Ouais, mais franchement. Ceux qui ont déjà joué au jeu savent de quoi on parle, mais on a été vachement surpris. Voilà. Ah, c'est ça, là, franchement, là, c'était gros. En plus, on est tombé dessus en se promenant comme ça, genre, viens, on va les chasser. Et bim, ah non. Ouais, elle était là. Elle était là, puis elle a été. Voilà, on va rien dire. Et le mâle, il a carrément tout détruit, notre barrière là-bas, alors qu'on n'était même pas dans la maison, on était là en train de le regarder, il était. En train de tout péter. Ah mais oui, parce qu'on peut... Ouais, parce qu'en fait, même là, t'étais pas là, saucisson. Ici, c'était bardé de cannibales. Toute la zone était remplie de cannibales et on se faisait régulièrement attaquer. En plus, t'avais le... Oui, en fait, c'est le mâle. C'est le mâle dominant, on va dire ça comme ça. Ou le mâle informe qui a totalement pété la barricade, quoi. Oui, c'est ça, le mâle alpha. D'accord. Qui a détruit tout le truc et au bout d'un moment, il a détruit la barricade. Et ensuite... Moi, je faisais du bois là, ici, là, en fait, dans le coin là, et il tournait autour. En gros, on pouvait rien faire. On fait quoi? On commence à couper du bois, on termine notre cabane. Attends, moi, on peut montrer quand même, c'est ce qu'on a fait déjà, non? Ah, bah, moi, je monte depuis tout à l'heure, en fait. Ah, ouais, bah, écoute, moi, je vais montrer parce que, voilà, Alex, il filme de son côté et moi du mien. Voilà, j'ai fait un piège juste ici. Oh, en gros, oiseau. Tu j'ai pas montré là. Ton piège. Ah, il bah, voilà. Trop beau en rouge. Il était, hein. Il était. J'ai deux pièges. J'ai deux pièges à montrer. Pièges, Marcus. Ouais. Deux pièges et un piège qui a tué Alex 4 voire 5 fois d'affilée. C'était magnifique. C'est vrai. Là, un piège, voilà, le mec qui passe, t'as les jambes qui sont vers le ciel. Celui-là, on l'avait vu lors de la saison 1 déjà. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait un autre piège par là. Ouais, avec des petits cailloux. En fait, tu percutes le petit bout de bois qui est par terre. Et en gros, ça fait ça. Vas-y. Non, vas-y, saucisson. Bon. Vas-y, saucisson. 4-5 fois parce que vu que ça se balance. Là, tu vois le réanimé, attends, je vais te le montrer, regarde. Waouh. La tête, voilà. Tu vu ça? Là, Marcus, il me réanimait, je me le reprenais dans la tronche, il me réanimait, je me le reprenais dans la tronche. Ah ouais, faut que je montre un truc super important dans la maison. On a plein de trucs même. À montrer. Voilà, moi je montre un petit peu les cabanes en même temps. Yep. Là, il y a une tour de guet dans cet arbre-là, une petite cabane ici. T'as vu? Là, j'ai là, pas Alex un ponton. A commencé on va ça. Faire le tour comme ça. Ouais, c'est ça chacun. Chacun qui commande. Donc moi j'ai fait ça, puis moi de mon côté, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bien moi, voir, j'ai rien fait. Faut que tu recules et que tu pousses fort avec ta grosse tête. Tu verras, tu arriveras. Ouais, il faut que tu cours, voilà. Regarde comme ça. Ma petite lampe. Regarde la petite lampe, comme elle est mignonne. Waouh. La même chez toi, c'est un vrai crâne, mec. Oh putain. Dis oui. Ah, c'est le bon goût. Regardez Pedro le portugais de près, ça fait un peu peur quand même. Et là maintenant on peut sauvegarder ici également. Voilà. Et ça je pense que je vais l'enlever parce que vu que ça vole. Ah en fait un peu... donc du coup ton lit c'est des magasins, c'est ça? Oui, ouais. Et t'as vu on t'es dort en train sur de juger des. Ma décoration, là on dort sur des petits sacs, je sais pas c'est quoi ça comme. Des petits sacs, des petits oreillers. Ah, on dirait les oreillers, tu sais qu'il y a dans l'avion. C'est des colis. Ouais, c'est ça. Non? Bon, moi je vais couper du bois pour terminer la cabane. Ah moi je vais pas partir, on a trop. Ah ouais, on a avec Marcus on est parti visiter également des campements et on a trouvé de la dynamite. Donc on va pouvoir faire péter le truc mon gars. Voilà, on va mon gars. Continuer la munition. Et moi j'ai fait des petits totems
Je vais vous les montrer. J'en ai fait un ici. Regardez comment c'est magnifique. J'en ai fait un autre par là-bas. Parce qu'au début, j'étais chargé de faire les totems, sauf que quand je faisais prendre feu, et une fois que le feu était dissipé, bah, les totems disparaissaient. Oui, c'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure en fait. J'étais en train de. On se posait la question, mais c'est bizarre, les totems qui ont été enflammés ont disparu, et le totem que j'avais construit qui n'était pas enflammé est toujours là. Donc du coup, on en a conclu, les totems enflammés pour ça. Disparaissent. Voilà, c'est ça. Et ils devaient démembrer les ennemis. Du coup, j'en ai fait un beau totem composé de jambes, de bras et de têtes. Juste là, il est pas fini. Et j'ai vraiment hâte que ce soit terminé. Et saucisson, donc, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, si vous avez besoin d'aide, je vais vous aider. Je sais pas trop quoi faire. On peut faire des arbres parce qu'on a une. Enfin, Alex a fait une grosse cabane juste là. Ouais. Et voilà, on a rien fait. Il faut 35 rondins de bois. Là, il a fait une petite chaise. Ah oui, ma petite chaise. Qui est pas finie, que voilà. La petite chaise. Dans les commentaires aussi, quand tu fais un banc, tu t'assois dessus et ça fait remonter rapidement ton endurance. Ah, ça c'est cool. Des astuces avec deux pots de Bambi. Tu peux faire une gourde et plein d'autres trucs qu'on m'avait dit. C'est comme là, j'ai pu voir aussi également si tu rajoutais du tissu ou quelque chose sur la hache, en fait tu peux l'enflammer, ça fait plus de dégâts. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, les flèches, tu peux les faire enflammer et tout. Encore une fois, merci pour tous vos conseils. Je peux peut-être aller chasser au pire, non? Moi et Alex, on a pas mal chassé. Là, j'ai 3 poissons et un lézard. C'est notre maison. Là, tu vois pas des arbres là où je suis, par exemple? Ouais, c'est les petits arbustes, c'est des arbres qui vont repousser, en fait. C'est ça. Et donc là, j'ai fait une... Ouais, là, c'est tout petit. Et en fait, ça va pousser et ça va devenir des gros arbres géants. Ah non, du coup il faut pas les casser alors. C'est ça, exactement. D'accord. Et puis voilà, attends, je vais aller vite fait ton piège. En fait, il faut que tu ailles sous les arbres, tu vas dans les forêts. Tu arrêtes par terre et généralement tu vas trouver des petits morceaux de bois. Ah, parce que moi je l'ai cassé en fait ces petits buissons à chaque fois. Bah oui, mais moi aussi, mais en fait non, il faut pas. Mais c'est pas un chef, Alex? Si, ça doit être un chef. Je viens en paix, je suis le chef. On est d'accord, je suis le chef, hein. Non, mais il se casse. Oh là, j'ai eu un petit freeze. Je suis le chef des deux mecs bizarres derrière moi. Non mais moi je suis pas là, hein. Je me suis barré. Vas-y Alex, pars devant. En fait c'est pas moi le chef, c'est Marcus. C'est lui. Ok, j'y vais. C'est lui le chef. Non mais il a l'air gentil, ne tape pas, regarde. Il y en a un à votre gauche. Deux à votre gauche. Ah oui, ils sont pas méchants. Non mais ils sont pas méchants, mais t'as vu comment ils sont capables de bien nous contourner. Regarde, je viens en paix. Attends, non, je viens en paix, je voulais ranger mon hache. Ma hache plus. Oh, écarte-toi de mon chef. C'est moi le chef, on est d'accord. Oui, c'est moi le chef, dégage. Attention, t'as pas le... Faites pas le... T'as pas le petit arbre. T'as pas l'arbre. En plein combat, ne pète pas. Oh, je vais trancher un bras direct. C'est trop ça. Non, Alex, pas l'arbre. Oh, je suis désolé. C'est pas grave. Saucisson, est-ce que tu peux prendre un cadavre et me le ramener tellement par là-bas? Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a encore de la bagarre. Ouais. J'arrive. Ah, peut-être ta future copine. Oh, mais t'as vu ça, la petite esquive. Oh, tiens. Oh, la fée du Yamakaki. T'as vu? Ça a trop... Non, fermez les yeux, les amis, fermez les yeux. Fermez les yeux, surtout ne regardez pas les attributs mammaires de la femme. Ok, je regarde pas. Je prends le cadavre. Je regarde. Oh. Oh, fourbe. Ouais, démerdez-vous. Oh, il a pris une flèche. Ouais, faut que j'arrête de faire les bruitages quand je tire avec mon arc. Oh, bien joué. Oh. Et bah là, ça fait vraiment flashy et très coloré. Mais ça dépend en fait des atmosphères. Là, par exemple, je crois que je préfère en mode normal. Mais à certains moments. Je sais pas là. Tu vois, je suis en mode épique, ça passe mieux. Ça passe mieux pour toi? Moi, à certains moments, je préfère et à d'autres, je préfère la version originale. Mais c'est cool, vous avez des petites couleurs corrections. Ouais. Vous pouvez appliquer directement dans le jeu. Wow! Ah ouais, non, moi, faut que j'aille manger. Mais moi aussi! Tiens! Alors, ça travaille, saucisse? Ouais, t'inquiète. Je tranche dans le vif. Bon appétit. Je suis dans le vif du sujet là. Oh putain, j'ai pas marché dans le piège que je le regarde. Et voilà la petite chaise que j'ai construite. Enfin, elle est pas finie. Ils sont où les têtes? Ça peut être sympa, je vais en faire plus là, après. Qu'il là. Fou, là. En fait, il faut que tu coupes de mon côté pour que ça tombe vers la zone. Tiens, tape la souche. Faut pas faire une tronçonneuse, un truc comme ça, non? Non, on peut pas. Je sais pas. Ah, tu me dis comment faire le craft de la tronçonneuse?
avec des boyaux de cannibales, eh bien là oui tu peux. Avec un petit moteur, pierre, un briquet et tu fais une tronçonneuse. Avec un circuit imprimé et puis du contron-tige. Tiens. Ah, vas-y. Ouais, je le mets. Je vais faire le caméraman, je vais te regarder. Et voilà, c'est fini. Bravo. Et ensuite, on pourra faire des petits ponts qui relient chaque arbre. Enfin, peut-être pas chaque arbre, mais quelques arbres. Ouais, ça va être chaud quand même, hein, ça l'orientation et tout. Ah. Ok. Alex. Y'a des ennemis. Ouais. Ils sont là-bas au fond. Ils sont là-bas ah au fond, ouais. En face. Il fait du morse. Ouh, on est là. Et tu sais, comme des cons, nous on a mis les torches. Comme ouais. Ça, ils savent où on est. Et il dit qu'il a pas de sel pour son repas ce soir. Attends, je vais lui envoyer un caillou. Moi, c'est pas du sel que je voulais, c'était du poivre. T'es un peu gonflant quand même. Ah oui, ça commence à caillou. Eh, attrapez les gars. Oui. Y'a Marcus. Eh, ils un arrivent. Coup de jambe. Oh mince. Ils arrivent. Tu les entends? Ouais, ils sont juste en face. Qui veut se coucou battre avec une jambe? Tiens. Coucou. Tu en donneras ça à ton frère, enfoiré. Ah mais, oublie pas, hein, il me faut les têtes, hein. Allez, bien. Ça caille. La vache. Ah, je brûle. Aïe, 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 aïe. Ah mais eux, ils sont bizarres, non? Ils sont moins propres que les autres qu'on a ouais. rencontrés. C'est t'as l'impression qu'il y a plusieurs tribus quoi. Hmm ouais, il a pété le thème. Ah il a pété le. Il a pété la. Putain de forêt va. Il a pété la torche, le four, tous dessus. Laisse saucisson tranquille. Oh non. Tiens. Crève, fourriture. Oh, là, j'ai cassé le truc. Qui veut se battre avec moi avec un pied? Ah il a un petit d'oreille. Viens là toi, viens là. Je crois qu'il est mort. Je suis pas sûr. Tiens. Je vais quand même lui couper la tête dans le dos. Oh GG. Oh. Toi tu le tapes avec une jambe. Attends, je lui coupe la tête. Donne-moi tes dents. Bon, je vais peut-être aller me laver et ranger cette arme étrange. Elle est où la tête? Oh. Where is la tête? Sa tête? Ah, une tu l'as la tête ou pas? Non, moi j'ai pas de tête. Hein. Là, y'en a... Ah, c'est là, bon. Là, oh, y'en a encore, y'en a encore. Et si ils sont où les cadavres? Ils sont où les cadavres? C'est toi qui m'as acheté un caillou, ouais. C'est ça? On va dormir ou quoi? Attends, mais je veux finir mon. Je veux voir. Ah mais pourquoi il me fonce dessus? Ah, on dirait un mélange entre un martien et un homme nu. Vous entendez deux. Oh la vache, aïe aïe aïe! Mais calmez-vous, mais calmez-vous! D'ailleurs, S6! Oh là là, il me combatte! Il a frappé son pote, c'était trop fort! Vas-y, tape-le! Je te tranche la tête, je te dis que mon gars, tu vas voilà. Voilà, nickel! Merci, Alex. Trop tard! Mais c'était trop marrant, le mec il a défoncé son propre pote quoi. Et il me faut un bras, s'il te plaît. T'es mort normalement, toi. Chope le plafond là. Pourquoi ces monstres qui font le bruit du dindon là, qui essaient de faire ah, du tu les entends aussi? Ouais. C'est flippant le son du raptor, non? C'est le cré des raptors. C'est attends, Marcus. Oh, c'est le chef qui m'attaque. Oh, bah voilà, le chef. Tiens, attends, je vais me servir de sa tête pour faire le totem. J'ai pris goût au sang. Oh, oh n'hésite pas à manger. Il y a le chef, il y a tout. Tiens, famille. Le mec il est dans le tas quoi. Notez que je suis mort et que je continue à allumer mon briquet. Bah, parce qu'il fait un peu froid quand même. Tiens, relève toi. Merci. Tu fais la truite quoi. Regarde quand il a le groupe. Quand il a le groupe. Il est truite quoi. Superman. Voilà, ferme-le un peu. Ferme-le. Allez, donnez-moi les têtes. Oh non. Attention. Ah, encore, y en a qui arrivent. Mais non. Elle est où la tête? Et il y a encore 3 mecs les gars, je veux pas dire mais qui nous regardent. Tu as la tête là? Ouais, c'est bon. Vas-y, consulte le thème. Ton pote.
Oh, il a pas aimé, je lui ai donné le cadavre d'un de ses potes. Bah, il sent un peu beaucoup là. Ouais. J'y arrive plus. Le totem, tu peux le finir si t'as une tête. Hein. Mais quel, celui-là là? Ouais, celui-là. Ouais, GG. Je l'allume ou pas? Non. Oh là là. Ah, je regarde, je sais pas. Vas-y, saucisse, tu peux le faire. Et on aperçoit ici un combat plutôt de haut niveau. Le mec s'enfuit, le mec. Ah, il se casse la tapette. Et le combat continue entre Marcus et aussi, c'est un mec nu qui va gagner. Je pencherai pour l'homme nu parce qu'il a l'air. À il a l'air costaud quand même. Hein. Non, non. Voilà, il a plus de dents là, il va plus avoir de tête bientôt. Oh, il a eh bah, dis donc. Voilà. Non, mais c'est bon, bon. Il coupe pas tout. Il en a plus besoin, c'est bon, on a fait le totem. Regardez comme il est magnifique. À savoir qui sont les barbares maintenant, je pencherai plus ouais, pour lui quand même. Bon, par contre, aussi. C'est ça, c'est magnifique. C'est magnifique, un totem. En fait, quand tu joues ce jeu, tu deviens un psychopathe. Viens, saucisse, on va se laver parce que là, on a un petit peu de sang sur nous. C'est vrai. Putain. Aïe. Non, mais j'ai plus de vie, merde. Foiré. Et comment on fait déjà les herbes médicinales, ou je sais plus quoi? Bah, il faut associer différentes plantes. On a une première journée plutôt mouvementée encore. Ouais. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, on va se faire péter alors. Un peu de soleil. Du coup, ouais, c'est ça, on va pouvoir faire exploser le rocher. Oh non, toutes les torches. Bah ouais, hein. Ils ont tout pété. Par contre, regardez-moi ce carnage au niveau des cannibales. Il y a des corps partout. On marche sur des cadavres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est une nouvelle torche, tu veux. Regarde, tu veux voir un mec qui vomit, saucisse. 8. Un mec qui vomit, ouais. 9, 10. En fait, ça fait une pierre 12, qui lévite, quoi. Ah ouais. 13. Le mec, il vomit des rochers, oh, quoi. Non. C'est quand même grave, hein. Du coup, c'est par là. Du coup, tu manges ou pas? Attends, je mange. Vas-y, mange. Moi, je suis full life. Vas-y. Vas-y, fais péter, hein. Je fais péter. Attends, dans le 12, j'en prends aussi. Ah ouais, mais par contre. Fais gaffe, hein. Pour l'allumer, tu te rappelles ou pas? Ouais. Je vais tout faire péter, les mecs, j'en ai marre. Vas-y. J'en ai marre. Oh. Attention. Oui. Oh là là. Encule, encule. Oh le fou. Oh là 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 là. Magnifique explosion. Oh, j'ai fait. On a pété un arbre. J'ai trouvé deux arbres. Oh là là, mais non, mais on a trouvé une meilleure astuce. Bah oui. Sauf que j'ai. On va tout faire péter. On va tout faire péter la dynamite. Y'a rien là-dedans. Bah, y'a rien. Tiens, saucisse. Ah, y'a un flingue. Y'a un flingue. Saucisse, viens voir, tu vas rigoler. Toi, Marcus, ah, si, tu là. Connais, c'est pour ça, mais. Si, si, j'ai trouvé. Une tête de lézard. Regarde. C'est incroyable. Mais Timmy, il était pas du tout sous les rochers en fait. Non. Timmy, t'es où? Donc, du coup, Alex, tu sais ce qu'on pourrait faire? Retourner au grand camp cannibale. Le grand camp cannibale. Comment ils me vendent le truc, quoi? T'as jamais été au grand camp, saucisse. C'est pour ça. Alex, camp. Est-ce que tu vois la nourriture qui est en train de tourner en rond? Regarde, je peux pas, je suis en train de monter. Ah, mais regarde! Mais pourquoi il y a des lapins partout, qui... Mais non, mais ils sont en train de tous sauter dans le feu en fait. Regarde, ah, tu peux les manger. Ils sautent dans le feu? Bah ben oui! Même les oiseaux, ils passent et ils sont cramés. Attends, ah bah moi aussi, tiens. Saucisson est aussi intelligent qu'un pigeon ou qu'un si lapin. Si vous me ramenez pas Timmy avant ce soir, je saute, les mecs. Ah, esquive. Je saute. Tout le monde s'en fout. Oula. Oh. Tu les entends, hein, saucisse? Ouais, mais je suis pas tout seul. J'ai dit que j'allais me suicider si vous rameniez pas Timmy, les mecs. Tout le monde s'en fout. Mais t'es où, toi? Ah, il est là-haut. Vas-y, saute, je te rattrape. Ça y est. Tu me rattrapes, t'es sûr? Ouais, vas-y, vas-y. Ok, j'arrive. Vas-y. Je voulais préparer mon attaque en tombant. Ah. Il y avait quoi en haut? Il y avait rien? Je sais pas, mais je me suis cassé le petit doigt de pied. Non, il y avait rien en fait. Bon, je te suis, Cous. Ouais, viens. Ah, ça me fait mal au cœur, tous ces rondins de bois là qui sont par terre et qu'on n'utilise pas. Oh, mais c'est pas possible! Mais... Je crois que j'ai trouvé une entrée de grotte, les mecs. Mais que se barre-t-il? Quoi? C'est pas celle dans laquelle on est déjà allé? Attends, non. Je sais plus. Non, non, c'est pas celle-là. Oh, il y a des chauves-souris qui en sortent. Ah ouais, mais on n'a pas dit saucisse, on a trouvé également une map. Quoi? Ah oui, mais non, mais d'accord, mais en fait. On a une Attends, carte ça, maintenant. Ça, voilà, regardez. Sérieux? T'appuies et sur M, mais on l'a pas. Hein? Ah bah écoute, c'est gentil, moi je peux pas. Là je peux. Mais... Bah tu peux regarder sur la carte de Marcus de toute manière. Ouais. Non.
Moi je vois ah un. Ah non, c'est tout blanc. C'est tout blanc, ouais. Mais moi, tu vois pas sur la mienne un petit truc? Non. Non, non, c'est tout blanc. En fait, on a trouvé la carte dans le grand camp. Mmh. Un grand camp qu'on n'a pas encore montré. Ouais. Et c'est là qu'on aurait dû aller. Mais comme Alex a trouvé cette grotte là, on va y aller. Mmh. On va y aller et ça s'éclaircit sur. Ah ouais, je vois le. Si, je le vois qui se déplace en direct sur la carte. Timmy! Ah oui, Timmy! Ah! Timmy! En fait, c'est, en gros, ça voulait dire vous pouvez rentrer, faites-vous plaisir. Ah, vas-y, fais gaffe, derrière toi. Waouh, ils sont bloqués. Ouais, c'est ça, ils sont très très bien bloqués. Hein. Oh, mais j'arrive pas à me taper. Allez, viens, prends-le! Oh, le combat! On est bloqués chacun de notre côté. Ah mais on peut aller partout là, regarde H6. Ouais, il y a des chemins partout. Marcus qui arrive, il fait la ferme. Ferme, mais... Ah, tu vas te taire un peu là, on entend que toi ici. Bon, je sais pas ce qui se passe, je crois qu'il y a des... C'est en train de s'écrouler, Koussin, donc fais gaffe. J'entends des bruits de rochers qui tombent. D'accord. Il faudrait que vous veniez où je suis, il y a plusieurs trucs apparemment. Bah là aussi, mais bon... Non, y'a rien en fait, je crois. Non, y'a rien. Là, j'ai trouvé un dessin de Timmy et y'a un autre truc que. Du coup, là, saucisse ici. What the fuck? Ah oui, j'arrive. Parce que là, on peut remonter. Ah oui, mais toi, regardez, oui, là, y'a une table avec ça. Un dessin et la tête de robot, moi, comme ah, ça. Ah, ouais, je suis preneur, ouais. Ça. Oh, c'est sur cool, la table. Intestin. Oh, y'a un voilà. Ouais, le dessin, effectivement. Déjà. Mais arrête de te mettre à côté de moi. Quoi? Je sais pas si c'était un bug de son ou je sais pas ce qui s'est passé, mais... Saucisse ouais. Regarde ce que c'est. Regarde ce que c'est. À ton avis, c'est quoi? De quoi? Là, devant. Devant? Bah là, on dirait un cœur. Là où je tape. Ah oui. Ouais, c'est un cœur, ouais. On dirait un cœur, ouais. Bah, je baisserai le son au montage parce que sinon, ça va faire saigner les oreilles de tout le monde. Y'a un cœur? Où ça, un cœur? Bah, là où t'étais. C'est là quoi, où il y avait le dessin tête, ouais. C'était quoi, ça, sérieux? On a dit la tête d'un transformer. Y avait un cœur sur la table? Ouais, non, pas sur la table, sur le caillou. Ah ouais? Est-ce que tu le vois? Ah ouais, ok, le cœur dégueu. Et passez sur la droite avant d'aller sur la gauche, les mecs. Non, revenez en arrière. Mince. Je vois rien, moi, c'est dingue. Pareil. Attends, juste voir si là je peux... Ah voilà, c'est bon. J'ai un peu par plus... là, là? Ouais. De gamma. Putain! De quoi? T'as eu le son? Est-ce que t'as eu le son aussi? Bah j'ai eu un son genre de chauve-souris à moitié, non? Ah mais ça m'a fait peur. Mais moi j'ai eu un son. T'as eu le même son, ça fait comme ça? Oui, ça fait c'est archi fort. Ouais, pareil, j'ai sursauté à cause de ça. Ouais, ou à droite ou en face? Ou alors vous pouvez revenir sur votre chemin? Non, non, là ça a l'air bien. Mais ils se sont réveillés, hein. Ouais. On a besoin de toi. Vous êtes pas discret alors. Non mais là... Wow! Non mais Saucisse, réveille-toi là, il est arrivé à 200 à l'heure, t'as dû le voir. Ils arrivent, ça y est, ils sont énervés. Ça fait bizarre des combats de mecs nus dans des grottes. J'ai je vais faire un truc histoire de voir un peu plus loin. Merci beaucoup. Pas de problème. Vas-y, on y va. Mais en fait, ma lampe elle me bouffe des piles. Dès que je la repose, je suis obligé de remettre des piles pour la réutiliser. Moi aussi, tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas prendre la lampe torche. Et bien, c'est parce que j'avais pas de piles. Oh, ça descend à pic là. Ouais. Un peu, ouais. Oh là là, par contre, ça me fait flipper, moi. Flipendo. Flipendo. Ça peut un peu moins flipper quand je vois que c'est vos têtes qui nagent. Ah, c'est peu. Non, bah écoute, y a pas de passage. Va y avoir un truc à ramasser alors, peut-être. Ah là, où je suis, j'ai ramassé. Non, c'est une tête, je vois pas, c'est trop flou. Oh, je vois net. Ouais, bah pareil, en fait, il y a un bug. Oh. Ah ouais. Ok. Bah écoute, il y a que dalle, hein. On est bien sûr. Bah ouais, y'a pas besoin d'avoir grand chose. Ah, peut-être un peu plus en remontant, un chemin sur les côtés. Non. Non, non, hein. Ça se resserre trop. Ah, il y a une personne aussi qui avait dit dans les commentaires on n'était pas obligé de poser notre hache, tu sais, pour ouvrir la porte, un caillou suffisait. Ah merde. On
Bon, c'est pas grave, on a récupéré les petites hachettes. Ouais. Bah écoute, pour le coup, là, mystère et boule de gomme. Après, il reste l'autre côté, Kous, où il y avait la corde, on pouvait descendre. Ah ouais, bah vas-y, on peut y aller vite fait alors. Bah ouais. Vite fait, en courant. Ah bah bien, ça c'est cool. Ah bah voilà, là on voit clair. On peut regarder un truc ici. Ah, j'ai une photo avec une croix d'un endroit où on peut sûrement utiliser la dynamite pour les autres éléments du pistolet. C'est pas une île. Ah bah ça m'a éteint mon... Là t'as vu, on peut descendre par là, Saucisse, t'as vu, il y a des lumières là qui t'indiquent allez par là. Et ça allume pas pour toi, Saucisse? Non, mais en fait moi j'ai une barre, un truc rond en dessous, mais qui est bloqué. Monte, attends, c'est pas la petite hache, c'est la petite hache qu'il faut. Bah je sais pas, parce que moi je l'ai mis sur celle-ci aussi, mais ça marche pas. Ah d'accord. Ah bah essaye peut-être sur la petite. Ça éclaire bien en tout cas. Après tu l'équipes, c'est ça? Ouais. Regarde. Après tu maintiens la feu. Tu magicien avec le feu. Yo. Wouh. T'as vu un feu qui va vers la gauche? Non, ça marche pas moi. Faut que tu mettes du tissu hein. Puis après t'appuies sur L, tu maintiens L. Tu maintiens hein. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Non non, en fait j'ai le rond en dessous mais qui veut pas, qui est bugué en fait. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, t'inquiète pas, ça aussi ça a duré que 10 secondes le truc hein. Il s'est déjà éteint chez moi. Hop là. Timmy. Non mais Timmy, je crois que c'est la... Jette une fusée éclairante. Il était aussi moche que... Oui, c'est elle. Fusée éclairante. Oh là là, c'est quoi ça? C'est parti. Et par contre, il en fait des coups pour la tuer. Le tuer. On est trois, ça devrait aller mieux. Fais gaffe, elle peut pondre des bébés. Hein. Je lui pondre des coups dans la gueule. Et elle fait super mal, protégez-vous bien les mecs. Ouais, effectivement, elle fait très très mal. Ouais. Aïe! Ah, attends, je me mets un portrait, je fais un truc. Ah oh! Doucement! Attends, elle a pondu un bébé. Hein. On va t'acheter des vêtements, ne t'inquiète pas. Ah, y'a un bébé par terre là! Ah, c'est dégueulasse! Ah, mais il bondit le bébé! Ah, ouais, le petit bébé! Et il attaque le bébé parce que moi il avait l'air de rouler. Ah bah, on l'a eu. Oh, bien joué. Il avait l'air inoffensif le bébé. Oh. Par contre, elle, tu peux pas la découper. J'en entends un autre. Écoute. Mais le bébé il t'a attaqué, Marcus? Non, il a bondi vers moi. Ah. Tiens, regarde, t'as vu, regardez, il saute. Il tombe d'où? Coucou, c'est toi, Timmy? Hé hey. Doucement, tu veux un câlin? Bon, moi je suis contre les choses informes. Si des... Mais il y en a plein. Bon. Voilà. Oh là là. J'ai juste qu'il met un bébé. Oh, j'ai mis un coup de masse. Désolé. Hein. Oh la vache. Ah ouais, je vais prendre mon arme aussi. Oh, il y a une saucisse qui me saute dessus. J'ai peur aussi. Après les bébés moches, une saucisse. Attends, j'arrête s'il n'y a pas autre chose à récupérer. Ouais. Bah en fait, y a une corde là. La mère alpha a pondu beaucoup de bébés. Hein. Bah, il devait pas être très résistant parce qu'elle en a fait sacrément. Bah elle ouais, en a fait beaucoup, ils sont tous morts. On va pouvoir remonter à la surface les mecs ici. Ok. Oh. Quelqu'un a ramassé un truc? Oui, c'est moi. Où ça? Là, sur le PC portable. Il y avait une carte mère, enfin un circuit imprimé. Ah, mais ça a fait la musique. Ah bon? Comme s'il y avait un truc important. Le mec, au revoir, Marcus. Quand même monter une corde à une main comme ça. Au revoir. Ça. Ouais, non, mais fallait vraiment que je mange en fait. Fallait que je mange, j'ai plus d'endurance. Ah ouais, mais mon bonhomme là, il a faim, il a soif. J'ai l'estomac vide à mort et j'ai très très soif. Là, je pense qu'on va rentrer à la casa, ce sera le festin pour tout le monde. Exactement. Ah, j'étais tellement pris dans les grottes que j'ai même pas regardé ma jauge de faim, de soif. Mais pareil, mais là en fait, je viens à peine de regarder la jauge de faim, de soif et d'endurance parce que. Omnubilé par ce qui se passe. C'est une blague, tu sais où on retombe? Cette blague. Ah, donc c'était une poulpe que j'avais vu dans l'épisode 1 alors. Ah, ouais. Oh, bon, on est pas loin de chez nous, au moins c'est un avantage. C'est ça. Ça c'est cool.
Bah écoute, le truc qui est bien, c'est que pour la prochaine fois, eh bien, on pourra aller au campement, au grand campement, et là, rentrer dans la grotte qu'on avait vue. Là où on avait trouvé la map. Ah ouais, c'est vrai. Exact. Il faut trouver l'endroit où faire péter pour trouver le pistolet. Faudra qu'on regarde la carte. Je sais pas s'il y a une option pour regarder. T'appuies sur I et tu peux revoir les photos que t'as ramassées et tout. D'accord. En c'est bas. Un bug ou l'arbre là-bas il est illuminé? C'est un bug, hein, je suppose. Scintillement, un truc comme ça. Ouais, un problème d'éclairage. Bon bah voilà. Fin de l'épisode 3. On espère encore une fois que ça vous aura plu. C'était chargé en émotions, n'est-ce pas? Ouais, c'était yep cool. C'était bien intéressant encore une fois. Ouais, hâte de voir ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais le soleil se lève, non? Ouais. Ouais. Le soleil se lève, encore un beau matin. Donc à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, bye bye. Prenez ça dans votre gueule. Double caillassage. Ah, oh, je suis mort. Oh merde, ah, tu l'as tué. Tu l'as tué. Je t'en remets une dans le pif. Comment il s'est fait bisuter. Regarde le mec, après il fait super. Regarde, il fait Superman par terre. Allez, puis il se relève. Arrêtez, je suis mort. Bah je sais, c'est pour ça que je te rejette des cailloux. Je t'ai pas mis un caillou. Il saute à l'eau. T'imagines? Non, je prends feu. Non. Non.